Good morning, Aleiden, les tutors aujourd'hui, les Lonishmat Amram, Yona Ben Chana Pegi Bat Esther Nissim Ben Amoda Sol, Vani, José de Fouat, Ruth Bat Claudine Draina, Simcha Bat Masoudi, Efrat Mayan, Bat La Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet, Edouyot, Perek Dalet, Mishnah Chet, Bet Shamay Matirin et Atzarot le Achim. Obet Hillel Osrin, Chalzu, Bet Shamay Poslin Mina Kiuna, Obet Hillel Marchirin. Nitya Bamou, Bet Shamay Marchirin, Bet Hillel Poslin. Aval Bish Elu Poslin, Elu Marchirin, Lonim Neu Bet Shamay, Minisan Hashim, Bet Hillel, Velo Bet Hillel, Minisan Hashim, Bet Shamay. Vechol Ataharot Vatumot, Sheayu, Elu Metaharin, Velo Metamin. Lonim Neu Liot, Osim Taharot, Elu, Algav Elu. On va parler dans notre Mishnah de la Mizva de Yiboum. Se marier avec sa belle-sœur lorsque son frère décède et qu'il n'a pas laissé d'enfant. Mais auparavant, j'introduis d'abord deux cas d'inceste, c'est-à-dire c'est le prélude de l'introduction. Deux incestes qu'il faut connaître, Eshet Achiv ve Achot Ishto. Ma belle-sœur, mais de deux manières, la femme de mon frère ou la sœur de ma femme. Il y a deux, d'accord, la Torah évoque, allonge-moi en précisant tous de nombreux types d'incestes, de proches parents qui lui sont interdites. Deux d'entre eux, c'est donc la belle-sœur, de deux manières, soit parce que c'est la femme de son frère, soit parce que c'est la sœur de sa femme. Il y a maintenant, d'abord je préfère commencer avec le deuxième cas, la sœur de la femme, il faut savoir, la sœur de la femme, elle interdite du vivant de la femme. Mais lorsque sa femme décède, il pourra se marier, il a le droit de se marier avec sa belle-sœur. Tant qu'elle est vivante, même s'il a divorcé, il ne peut pas se marier avec sa belle-sœur, dès que sa femme décède, il peut se marier avec sa belle-sœur. Il a le droit de se marier avec sa belle-sœur. Ce qui n'est pas le cas avec la femme du frère. La femme du frère, elle reste interdite, même lorsque son frère décède. Il y a une exception. La Torah a donné une mitzvah particulière, la mitzvah de Yiboum. Lorsque deux frères sont deux frères, Reuven et Shimon, Reuven est marié à une femme qui s'appelle Rachel, et Reuven décède sans laisser d'enfant. La mitzvah, la Torah donne à Shimon, le frère vivant, la mitzvah de construire la maison de son frère. Et en se mariant avec sa femme, la veuve, avec Rachel, il se marie avec elle, en étant dans l'espoir d'avoir une progéniture qui sera le souvenir de son frère défunt. C'est la mitzvah de Yiboum. S'il ne veut pas lui faire le Yiboum, il devra faire ce qu'on appelle la Chalitza. Littéralement, Chalitza s'appelle retirer, ôter. La femme devra en fait lui retirer la chaussure, cracher devant lui, et on lui dira à voix haute, tout ça c'est devant le Beddin, on dira au Beddin, on lui dira, ainsi on procède pour celui qui ne veut pas reconstruire la maison de son frère. Et voilà pour la misa de Chalitza. Dans notre Mishnah maintenant, on va parler d'un cas particulier. Tout d'abord, maintenant c'est l'introduction, parce qu'on se rapproche de plus en plus à la Mishnah en fait. On va parler maintenant d'un cas particulier, de Reuven et Shimon, qui sont mariés à deux femmes. Rachel et Léa, deux sœurs, deux frères mariés à deux sœurs. Deux frères, Reuven et Shimon, ils sont mariés respectivement à Rachel et Léa, retenez Resh Resh. D'accord, comme ça on ne s'embrouille pas. Reuven, Rachel, Shimon, Léa, deux frères mariés à deux sœurs. Reuven décède sans enfant, Shimon ne pourra pas faire le yiboum à sa belle-sœur, il ne pourra plus se marier avec sa belle-sœur. Pour quelle raison? Très simple, c'est une inceste. D'accord, c'est une erva. Étant donné qu'il est marié à la sœur de cette femme, la Torah l'a dit, je lève l'interdit de Eshet Achiv, mais pas de Achot Ishto, mais pas de Achot Ishto. C'est-à-dire, la Torah l'a dit, je lève un seul interdit, celui de Eshet Achiv, la femme du frère, je te l'ai permis, parce que maintenant c'est devenu Mitzvato Bekar, c'est la mitzvah de procéder ainsi, de se marier avec la sœur. Mais si toutefois, cette veuve-là, maintenant, cette Yebama, elle est aussi inceste, parce que ça peut être ta belle-sœur, ça peut être ta fille, si toutefois mon frère il est marié avec ma fille, mon frère peut se marier avec ma fille, pas mon frère, parce que mon frère il va rester vivant, il va se marier pendant longtemps, mais deux frères, qu'il peut donner sa fille à son frère. Alors, si le frère ensuite décède, il ne peut pas, bien sûr, se marier avec sa fille, même si c'est sa belle-sœur. Alors, selon le même principe, la Torah, elle a levé uniquement l'interdit de Eshet Achiv, uniquement. D'accord? Maintenant, on complique un petit peu la sauce, en disant que, c'est là, on arrive au cas de notre Mishnah, en fait. Lorsque Reuven et Shimon sont mariés à deux sœurs, Rachel et Léa, mais Reuven avait deux femmes, Rachel et Abigail. D'accord? Il avait une femme externe complètement, qui n'avait aucun rapport de notre famille, il avait deux femmes. Et ce qui se passe, c'est que Reuven décède sans avoir laissé d'enfant. Alors, en théorie,
son frère Shimon doit prendre une des deux femmes. Même s'il a cinq frères et il avait cinq femmes, il y a un seul frère qui prend une seule femme. C'est la halakha et c'est tout. Et tout le reste reste interdit. Maintenant, ce qui se passe, c'est que là, on a un seul frère, bien sûr, qui s'appelle Shimon. Et lui, alors il se retrouve avec deux femmes devant lui. Une qui est une inceste, c'est la femme de sa sœur. Mais à part ça, il y a aussi une autre. Est-ce qu'il pourra la prendre ou non? Et c'est en cela qu'il y a une discussion fondamentale dans notre Mishnah qui va ensuite aboutir à deux conséquences que la Mishnah va préciser ensuite. Il y a en fait, si vous faites attention, il y a trois discussions dans la Mishnah qui sont en fait une seule discussion essentielle, à savoir, est-ce que Shimon a la mitzvah de se marier avec cette fameuse Abigail ou non? Je l'introduis tout de suite. Beth Hillel déduit de Psukim qu'il ne peut pas se marier avec cette femme. Il y a marqué Veisha el Achota, Lotikach Litzror, Legalot Ervata. Un homme ne prendra pas sa belle-sœur pour en faire des tsarot. Un homme ne prendra pas la femme de sa sœur, Litzror, pour en faire un trousseau. Un tsror, c'est un trousseau. Pour les unir, les réunir. En fait, on apprend de là, c'est déduit comme ça. Pardon. C'est un mot qui a plusieurs interprétations, mais en tout cas. L'Isros, c'est pour en faire une qui va être Tsara de l'autre. Un homme qui a deux femmes, ça s'appelle qu'une est une Tsara de l'autre. Littéralement, c'est le malheur de l'autre. Elles sont sans arrêt en confrontation, en rivalité. Un homme qui a deux femmes, on ne connaît plus tellement ça de nos jours. Il y a un Kherem chez les Ashkenazim, justement, à cause de ça. Il y avait un Rabbeinu Gershom qui avait eu deux femmes, je ne sais plus, il y en avait une qui l'avait fait un sale coup, je ne sais plus trop quoi. Et depuis, il a décrété que, au moins pour les Ashkenazim, un Ashkenaz n'a pas le droit de se marier avec deux femmes. Chez les Sfaradim, ils n'avaient encore l'usage. À notre époque, ça ne se fait plus du tout, de toute façon. En tout cas, pour en revenir à un autre sujet, deux femmes qui sont dans une même maison, même s'il doit chacun entretenir chacune dans une maison à part, mais ça s'appelle deux femmes pour un même mari, c'est sujet à se tirer les cheveux et à se faire tous les sales coups en douce. Donc ça s'appelle, en bon hébreu, ça s'appelle une qui est Tsara de l'autre. Une qui est le malheur de l'autre. D'accord? Litzror, donc qui a marqué de là, Veisha Lachota Lotikach Litzror, peu importe comment c'est déduit précisément, de là, Beth Hillel déduit une halakha très importante, que, je reviens maintenant, si Shimon a deux femmes qui lui tombent devant lui en hiboum, l'une d'entre elles est sa proche parent, parce que c'est sa belle-sœur par exemple, par ailleurs, c'est la sœur de sa femme, alors même sa tsara lui sera interdite, ça veut dire qu'elle ne tombera pas devant lui en hiboum, elle sera complètement permise à aller se marier avec quelqu'un d'autre, c'est une veuve qui a plus de mitzvah de hiboum, tout simplement. D'accord, le principe est clair, je répète encore une fois, et Reuven et Rachel, et Reuven Shimon, deux frères, mariés à deux sœurs, Reuven et Rachel et Léa, mais Rachel, la femme de Reuven, elle en plus de ça une autre tsara qui s'appelle Abigail, par exemple. Reuven décède sans enfant. Shimon, selon Beth Hillel, n'aura pas du tout de mitzvah de hiboum, même pas avec cette fameuse Abigail, parce que Beth Hillel déduit ça d'un pasouk, Veisha lachota lotikach litzror, que lorsque tu as deux femmes qui te tombent devant toi en mitzvah de hiboum, et l'une d'elles est une proche parent, c'est une inceste, et bien même sa tsara, elle sera dispensée de la mitzvah de hiboum, elles sont toutes les deux permises directement au Moutaret Lachouk, ça s'appelle permis au marché, c'est-à-dire qu'elles ont le droit d'aller se marier avec n'importe qui. D'accord? Principe clair, on fait ça dans les mots tout de suite. Bet Shamay Matirin, et Tatsarot Lehachim. Bet Shamay permet les Tsarot d'une proche parent au frère. C'est-à-dire, si je veux illustrer avec le cas que je parlais, Bet Shamay permet Avigail au frère, à Shimon. Au frère, même si c'est une tsara d'une erva, une tsarat erva, ça s'appelle, d'accord? Ou bet hillel osrin, et bet hillel interdisent, comme c'est rapporté dans le Vortenora, et il rapporte le pasouk que je vous ai dit à l'oral, vishal achotal otikach litzror. Ensuite, de là va découler une deuxième discussion. Khaltsu, si toutefois ils ont fait la chalitza, soit Shimon, lorsqu'il a eu la fameuse Rachel et Avigail devant lui, donc Rachel, elle est permise de toute façon d'aller se marier avec n'importe qui, parce que ça peut, elle tombe pas en hiboum. Mais toutefois, Avigail, selon Beth Shammai, il faudrait lui faire la Khalitza, au moins, ou le hiboum. S'il lui a fait la Khalitza, alors, s'il a fait, il y avait cette Avigail qui était là, il a fait la Khalitza. Question évidente. D'après Beth Hillel, ça a servi à quelque chose? Non. Étant donné qu'Avigail, elle avait le droit d'aller se marier avec n'importe qui directement, s'il a fait la chalitza, il n'a pas rendu chalutza. Soit, il manque une petite introduction, un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une femme divorcée, elle n'a pas le droit non plus de se marier avec une chalutza.
une femme qui a été veuve, un Cohen a le droit de se marier avec une veuve. C'est-à-dire, si son mari est mort et qu'elle n'a pas eu de mitzvah tralitsa, c'est juste une veuve, le Cohen a le droit de se marier avec elle. Il n'y a que le Cohen Gadol qui a le droit de se marier avec une veuve. Le Cohen Gadol doit se marier avec une femme vierge, uniquement, qui n'a jamais eu de rapport avec personne d'autre, qui a encore des bitoulim, mais n'importe quel Cohen a le droit. Il doit juste ne pas se marier ni avec une divorcée, ni avec une zona, et on va expliquer ensuite c'est quoi une zona, on va en parler ensuite. Pour le moment, on s'intéresse à la chalitza. La divorcée et la chalutza, ça a le même statut, et entre parenthèses une marchloquette, est-ce que la chalutza c'est midoraita ou midrabanan? Et donc, maintenant, on s'intéresse à savoir, si Shimon a fait la chalitza à cette Avigail, et bien, Bet Shammai poslin menakeuna, Bet Shammai on va dire, ben, Avigail n'aura plus le droit de se marier avec un Kohen. Parce que Abigail n'est pas une simple veuve, c'est une chalutza. D'accord? On lui a fait la mise de chalutza. Tandis que Ubet Hillel Marchirin, Ubet Hillel vont dire non, monsieur, t'as le droit. Étant donné qu'Abigail n'avait pas besoin de faire la chalutza, si je prends n'importe quelle femme qui n'est pas la mienne et je me mets à lui faire une chalutza, elle me fait la chalutza, elle s'appellera chalutza? Bien sûr que non. Même si je lui donne un guet, c'est même pas ma femme. Pourquoi elle va être? Ça ne s'appelle pas une divorcée. Selon le même principe, Ubet Hillel va dire Abigail n'était pas en hiboum devant toi, donc tu n'as pas besoin de. Tu n'avais pas besoin de faire la khalitza, ce que tu as fait la khalitza, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. De ce fait, cette femme est une simple veuve, elle est permise au Kohen. Deuxième conséquence de la première marloquette, Nitya Bamou, si toutefois, alors là, ça se complique. Ils ont fait le hiboum. Shimon s'est marié avec Abigail. La Mishnah, tout de suite, je l'introduis, il manque la suite, quoi, mais c'est rapporté, c'est déduit dans le Barthénora. Et donc, il a fait le hiboum. D'abord, réalisez bien ce qui se passe. Selon Bet Shammai, Kodesh Kodashim, il est en train de faire la mitzvah de Hiboum, une merveilleuse mitzvah. Selon Bet Hillel, bo, il est en train de faire un grave inceste. Puisque cette femme-là n'est pas en Hiboum devant lui, dans ce cas-là, elle reste la femme de son frère, l'inceste de Eshet Ach. Ça signifie que s'il va avoir des enfants avec elle, ses enfants vont être des mamzerim. Aussi, s'il va se marier avec elle, et puis après 2 ans, le frère Shimon va décéder, cette femme-là sera interdite à la Keuna. Pour quelle raison? Étant donné que cette fois-ci, certes, c'est une veuve, mais elle a été overet al issur zona. C'est devenu une zona. On a dit que le Kohen n'a pas le droit de se marier ni avec une groucha, une divorcée, ni avec une zona, ni avec une halala. C'est quoi une zona? Littéralement, on traduit ça par prostituée, mais ce n'est pas le mot du tout. Une zona, c'est une femme qui a fait un interdit d'inceste, tout simplement. Une femme qui a transgressé un interdit d'inceste avec un sens un peu plus large, s'il y a une juive qui a eu un rapport avec un goy, alors cette femme-là, même si c'était une jeune fille, elle devient interdite au Kohanim, parce qu'elle est devenue aussi zona. C'est un cas particulier de zona. Mais en tout cas, de manière générale, le zona qu'on est en train de parler ici, zona, la prostituée, en fait, c'est une femme qui a eu un rapport d'inceste. Soit, si un père... Shamir Afrem, il a eu un rapport avec sa fille, cette fille-là ne peut plus se marier avec un Kohen. Il a été au Serota Beissour Zona. D'accord? Selon le même principe, Beth Hillel va me dire, cette fameuse Avigail, si, lorsqu'elle vient devant moi, c'est pas Maïbama, j'ai pas de mitzvah de Hiboum à faire avec elle, et qui va quand même avec elle, eh ben il la rend Zona. De ce fait, si cette femme maintenant veut vouloir se marier avec un Kohen, ensuite elle pourra pas se marier. Même si c'était qu'une veuve, parce que c'est une veuve zona. Tandis que selon Beth Shammai, bien sûr qu'elle pourra se marier encore avec un Kohen. Pourquoi? Parce que c'était une veuve, elle est permise à la Keuna. Le mari, le frère Shimon ne lui a pas fait la Khalitza, il s'est marié avec elle. Donc elle a le droit de se remarier. Et ensuite Shimon, il est décédé. Eh ben, c'est redevenu une veuve. Et il n'y a aucun problème, le Kohen peut se marier avec elle. Donc c'est ce qui est écrit ici. Nitya Bamou, si Shimon a fait le hiboum avec la fameuse Avigail, Bet Shammai Marchirin, Bet Shammai va dire, elle est encore permise à la Keuna. Si Shimon va mourir, elle pourra se marier avec un Kohen. Ou Bet Hillel Poslin. Et selon Bet Hillel, elle va être interdite à la Keuna parce qu'elle a été Asura Mishum Zona. Comme c'est rapporté dans le Bartanora, va nivellet la Asura Asra Zona, il écrit. Mais Zona Asura la Kohen. Donc vous imaginez bien la grande galère. On se retrouve avec une famille, ça peut être mon voisin. Lui il est marié, il a une barbe, c'est un grand tzaddik, mais c'est un tzaddik, c'est un talmid de Bet Shammai. Donc il est marié avec une femme, il vit comme ça, c'est des grands tzaddikim. Et Bet Hillel les regarde et dit, ben dis donc, c'est que des incestes dans cette famille, les enfants c'est des mamzerim, c'est une grande catastrophe. Vous imaginez un petit peu ce qui se passe? Et la Mishnah continue en nous rencontrant, mais justement... Afalpiche et Elou Poslin ve Elou Marchirin. Même si on se retrouvait dans des situations où finalement, selon Bet Shammai, ces enfants-là, glad kasher, cette femme, merveilleusement kasher.
Et selon Beth Hillel, cette femme-là, c'est une zona. Ses enfants, c'est des mamzerim. Ou parfois, il y a aussi des situations inverses. Comment est le cas? Le cas, il est simple. C'est que selon Beth Shammai, il faut au moins faire la Khalitsa, cette fameuse Abigail. Tandis que selon Beth Hillel, Abigail n'a pas besoin de faire Khalitsa, elle peut partir se marier directement avec n'importe qui. Beth Shammai va dire, mais non, c'est des enfants, c'est des enfants qui transgressent. Ils n'ont pas le droit de se marier ensemble, il faut d'abord lui faire la Khalitsa. Et malgré tout, lo nimneu Beth Shammai milisanashim mi Beth Hillel, velo Beth Hillel milisanashim mi Beth Shammai. Malgré tout, Beth Shammai ne s'empêchait pas de se marier avec des filles de Beth Hillel, et Beth Hillel ne s'empêchait pas de se marier avec des filles de Beth Shammai. Il se disait uniquement, soit, vous imaginez bien, c'est plus tellement fréquent à notre époque, j'imagine, imaginez que vous mangez tel hercher, le hercher Aleph, et moi je mange hercher bête. Moi je dirais à mes enfants surtout, vous n'allez pas manger chez lui, hein, c'est pas cachère. Hein. Et même si j'ai besoin d'emprunter une casserole, je vais pas aller l'emprunter chez vous parce que vous mangez le hercher Aleph. Et puis inversement aussi, eh ben non, Beth Shammai il faisait pas comme ça. Ils s'empruntaient les casseroles comme ce qu'on va voir dans la fin de la Mishnah, et aussi, ils n'hésitaient pas aussi à se marier ensemble. Et simplement, il se prévenait, il disait, tu sais, te marie pas avec ma fille celle-là, parce que celle-là, il y a un problème selon ton avis. Selon mon rave, ce qu'on a étudié nous chez Beth Hillel, cette fille-là, elle est glad cachère, mais pour toi, c'est une mamzeret, c'est une bâtarde. Et inversement, comme ça, il se prévenait, et donc de ce fait, ils se mariaient ensemble, il n'y avait aucun problème, il n'y avait pas de racisme à l'époque, malheureusement. Aujourd'hui, il y en a plein. Velo Beth Hillel, minisanashim, mi Beth Shammai. Et aussi, la Mishnah continue en nous racontant. Vechol ataharot va tumot. Jusque depuis le début du Perek, on a pris plein de cas où, selon Beth Hillel, c'est tahor, Beth Shammai tamé, et inversement, c'est impur. Donc, en théorie, n'allez pas manger chez Beth Hillel ou chez Beth Shammai. Eh ben non, c'est pas comme ça. Vechol ataharot va tumot shayu elu metarin velu metamin. Toutes les halachot de pureté et d'impureté que les uns permettaient et les autres interdisaient ou inversement. Interdisait ou inversement. Alors, l'onimneu liyot osim taharot elu al gavelu. Malgré tout, il ne se retenait pas de s'emprunter des ustensiles et de faire des aliments bêta-hara avec l'autre. Il se prévenait uniquement. Genre, moi, j'utilisais ma fourchette et il me disait, tu peux me prêter ta fourchette? Je disais, attends, non, celle-là, je te la prête pas parce que celle-là, selon ton avis, elle est tméa à cause de tout matmet, mais viens, j'en ai une autre dans l'autre tiroir de la cuisine, je te l'amène. Et il se la prêtait comme ça. Il se faisait confiance parce que c'était tous des bons juifs. Yerei Shamaim, et il se prévenait, il considérait l'autre. C'est quelque chose de très étonnant, malheureusement. À notre époque, ça s'est perdu. On n'est plus capable aujourd'hui de comprendre que l'autre fait quelque chose de vrai, de juste, al pi Torah, même si moi je ne suis pas d'accord. On n'est plus capable de tolérer l'autre qui est différent. Quand l'autre il fait des avérotes, il fait des avérotes, mais si l'autre il est fondé lorsqu'il fait ses avérotes, donc c'est pas des avérotes, c'est des misotes. Même si pour moi c'est interdit, pour lui c'est permis. C'est des choses qui peuvent être admises. Et justement, Beth Shammai et Beth Hillel, ils continuent à vivre Béchalom. D'ailleurs, la Mishnah dans Yevamot, je crois qu'elle continue en disant Shenemar, Vahemet, Vahashalom, Ahevou. La vérité et la paix sont deux choses qui peuvent aller ensemble, il n'y a aucun problème. Ça n'implique pas que tu vas devenir forcément comme moi. Toi, tu vas rester selon ton obédience, et moi selon la mienne. Et malgré tout, on peut vivre en bonne cohabitation, et même se marier ensemble, et même se prêter des ustensiles, à écart qu'on se prévienne. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite toujours plein de hatzlacha, kol tov, salam.